connais un autre trophée là qui ressemble beaucoup à celui-là, mais bon. Je voulais tout d'abord demander à Adeline, l'ancienne en quelque sorte, si elle avait un conseil à donner à ce nouveau lauréat, Alain Mascaro. Ah, c'est vertigineux comme question. Mais déjà, félicitations. J'ai pas de conseil à donner. Je trouve ça très présomptueux de donner des conseils. Peut-être que moi, la plus grosse difficulté que j'ai eue, c'est peut-être de ça que je peux vous parler. Après, c'est pas du tout un conseil. Je sais pas du tout comment vous écrivez, comment vous menez votre barque d'auteur. Mais se remettre à écrire, c'est pas évident après ça. Donc voilà, moi ça a été ma difficulté. J'ai aucun conseil à donner parce que je sais toujours pas bien comment je m'en suis sortie, si je m'en suis sortie. Mais félicitations en tout cas. Alors justement, le livre d'après Alain Mascaro, est-ce qu'il est déjà en route ? Il est en route, oui. Il est en route. Un scoop. Oui, parce qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il me fallait une sorte de bouclier. Donc l'écriture a constitué ce bouclier. Voilà, donc je me suis mis à écrire assez tôt, quelques mois après avoir terminé celui-là. Voilà, donc c'est en route. Alors on va peut-être, avant de reparler du livre, parler de vous, essayer de faire un petit peu plus connaissance. Vous avez déjà donné quelques indications et je dois dire que si vous recevez ce prix Première Plume, on a compris que vous n'êtes pas un perdreau de l'année, ni voyez aucune allusion malveillante. Quelle a été votre première vie avant de prendre la route ? Racontez-nous un peu. Ma première vie, c'est une vie de prof. Voilà, donc je suis prof de lettres, j'ai été prof de lettres longtemps, je ne sais pas vous dire combien de temps en fait, hein, je préfère pas compter. J'ai été prof à Vichy 20 ans déjà en lycée, de la seconde jusqu'au BTS. Voilà, ça c'était mon ancienne vie. Et alors, qu'est-ce qui se passe à un moment donné ? Il y a un moment de bascule qui est provoqué par quoi ? Un moment de bascule que je ne sais pas franchement ce qu'il a provoqué, si ce n'est le désir d'être totalement libre de mon temps. Ce qui est la denrée la plus rare et la plus chère du monde, c'est le temps. Et en disposer, c'est parfaitement merveilleux, en fait. Ne pas avoir d'emploi du temps. Et donc, on prend la route. Ce que vous avez fait. Alors, on prend la route. Prendre la route, ça veut dire se délester, parce qu'on ne part pas avec ce qu'on possède. Donc, on le laisse. Donc, j'ai tout vendu. Sauf ma voiture, hein, vous l'aurez compris, qui est actuellement ma maison. Voilà. Et je n'ai pas vendu mes livres non plus. Donc ils sont dans des cartons dans le grenier d'un ami. Voilà. Et vous prenez quelle route ? Donc si on comprend bien, c'est cap à l'est. Cap à l'est. Le but était de prendre le moins possible l'avion. Donc il fallait bien en prendre un à un moment donné pour commencer. Donc nous avons commencé à Bishkek, au Kyrgyzstan. Et après, la route, c'est Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Iran. Bateau pour Dubaï uniquement pour reprendre un avion pour le Népal. Le Népal, longue, très 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 longue randonnée, 275 km et je ne sais plus combien de dénivelés. Assez terrifiant. Et puis après l'Inde, que vous retrouverez dans le roman. Alors le Kyrgyzstan y est, hein, évidemment, c'est là que tout commence et c'est là que tout finit. Et l'Inde, que je connaissais déjà, mais que j'ai trouvé profondément changé, notamment Bénarès, qui m'a... C'était pas ce souvenir-là que j'en gardais. J'ai été un petit peu nostalgique de la Bénarès que je connaissais, mais bon, j'ai fait avec. Vous verrez, il y a Jaisalmer aussi, qui est une ville fantastique au fin fond du désert du Thar, qui est une pure merveille. Voilà, et après, où est-ce qu'on est allé ? Asie du Sud-Est, donc, d'abord Birmanie, ensuite, qui est un pays merveilleux, alors là... Je conseille, hein, vraiment. Je ne fais pas agence de voyage, hein, mais c'est vraiment le pays qui m'a paru dans le coin le plus authentique, bien qu'étant sous le joug d'une dictature, sournoise, qui ne se voit plus trop, mais qui est bien là. Ensuite, le Cambodge, où nous avons commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas dans le monde, puisque dans les villes où nous étions, il n'y avait plus de touristes, notamment chinois. Ensuite, ça a été la Thaïlande, où nous avons été...
bloqué. Alors, mes enfants m'avaient rejoint, mon frère aussi. Donc, ma fille était bloquée au Laos, mon frère était bloqué au Cambodge, et ma compagne et moi étions bloqués en Thaïlande. Dans un tout petit village, on a débarqué un matin, on était dans une île, on a pris un bateau, et on a été accueillis par un cordon sanitaire, les militaires, qui nous ont dit, bon, ben là, vous ne pouvez plus bouger. Donc, on a cherché un logement, désespérément, tout était fermé. On a fini par arriver dans une petite famille avec des petits bungalows. Et c'est là que, au final, je vais écrire. Voilà, on y arrive. Hein. Et donc, j'ai commencé par me morfondre. Parce qu'imaginez, quelqu'un qui s'en va, qui largue tout, et puis tout d'un coup, le monde se ferme. Donc, j'étais un peu en colère, je crois, en fait. Et puis, cette colère est retombée grâce à la magie du spectacle, d'abord de l'aube, parce que je me levais tous les matins pour la regarder, et puis aussi grâce à des dauphins roses, parce qu'à Kanom, en Thaïlande, il y a des dauphins roses. Ce n'est pas du tout une blague. Hein. Et ils sont difficiles à apercevoir. Et un matin, je les ai aperçus, je me suis dit, arrête de geindre, tu es dans un endroit magnifique. Tu as vu quelque chose que peu de gens voient, donc fais quelque chose de ta vie. Voilà, et j'ai commencé à écrire. Alors, pas ex nihilo, il y avait déjà eu des G avant, et puis voilà. Et après, le texte a été retravaillé un petit peu plus tard au Chili, en Terre de Feu et en Patagonie. Voilà, pour l'histoire. Mais... C'était long, hein, désolé. Qu'est-ce que c'est formidable, non, Adeline, là. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce périple à travers la planète? Oui, c'est magnifique, hein. Quelle magnifique histoire. Et puis c'est aussi ce que je pense, on est nombreux à avoir rêvé de faire. Bah, vous l'avez fait, c'est-à-dire tout plaquer du jour au lendemain, partir à la découverte du monde. C'est vraiment une très très belle aventure, mais ça demande de l'audace au départ, que je vous envie un peu. Mais alors l'écriture dans toute cette histoire, est-ce que par exemple avant de prendre la route, vous étiez déjà tenté par l'écriture? Est-ce que vous aviez fait des essais, ou est-ce que cet élan est venu au fur et à mesure de votre périple et a vraiment éclos lorsque vous vous êtes retrouvé bloqué et qu'en fait la seule façon de voyager c'était d'écrire? En fait j'écris depuis toujours, hein. Je crois comme tous ceux qui écrivent en fait, hein, à un moment... Et donc, non, ce texte, il a une très très longue histoire. Mais attendez, ce qui veut dire que vous avez d'autres manuscrits, par exemple, là, qui existent déjà et vous n'avez jamais montré? Oui, certains. Montrer, non. Oui. Ils sont restés dans mes tiroirs. J'en ai brûlé un aussi. Aujourd'hui, je le regrette, en fait. C'est quelque chose qu'on ne doit jamais faire, ça. C'est une erreur fondamentale de brûler un manuscrit, parce que sur le moment, on croit que c'est nécessaire et en fait, ça ne l'est pas. Donc, ce texte a une très longue histoire, en fait, qui a 30 ans. Puisqu'en 1990, j'ai écrit un texte qui s'appelait « Le galop du centaure », qui était une nouvelle avec laquelle j'ai remporté un concours à Maison Lafitte, qui était une petite partie de ce roman. Ensuite, longtemps après, j'ai écrit un roman fleuve de 750 pages, dont ce roman n'était que finalement un épisode. Donc je l'ai extrait, je l'ai retravaillé, j'ai ajouté des personnages, des situations, etc. Et c'est devenu un objet distinct. De ce qui était sa matrice, en fait. Voilà. Alors, on l'a compris, au cœur de ce livre, qui est foisonnant, qui est très riche, il y a bien sûr le peuple tzigane. D'où vient votre intérêt pour ce peuple? Alors, déjà, ça commence très tôt, là encore. Hein, donc, j'ai à chaque fois, vous voyez, de revenir très, très longtemps en arrière. Mais ça commence quand j'avais 5-6 ans. J'habitais au bord d'une nationale, à Chinia, quelque part dans le Puy-de-Dôme, toute petite ville. Et deux fois l'an... passer des tziganes, à l'époque ils étaient en roulotte avec des chevaux, et ils me fascinaient parce que ben, les enfants couraient là, et puis ils n'allaient pas à l'école surtout. Voilà, donc j'avais cette envie-là. Et à quoi puis, ça tient et puis, pour un futur prof. C'est ça. Et puis plus tard, j'ai enseigné à des tziganes, à Maringue, dans le Puy-de-Dôme. Donc dans des classes de 6e où on essayait d'intégrer des tziganes, même si je serais un peu tenté de dire que c'était de les désintégrer. Mais bon, et là, bah, j'ai pu côtoyer d'un peu plus près ce peuple qui est un peuple farouche, qu'on n'approche pas aussi facilement que ça, qui ne se laisse pas spécialement ni amadouer, ni influencer. Donc, il faut être très, 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 très patient. J'ai dû faire des stages, en fait, pour apprendre, hein, et même participer à des colloques sur les stratégies d'apprentissage des enfants de tziganes. Hein. C'était très pointu.
Mais donc j'ai visité des camps, j'ai côtoyé des tziganes qui m'ont raconté des histoires. Voilà, et ça m'a donné envie à mon tour d'en raconter. Et dernière chose, le peuple tzigane est un peu un peuple oublié de l'histoire. Ça tient à la nature même de ce peuple, en fait, qui est un peuple qui vit dans le présent. Donc il n'y a pas d'historien tzigane, il n'y a pas de texte, ou très très peu. D'ailleurs, les tziganes qui écrivent sont un petit peu considérés par les autres comme des marimés, c'est-à-dire des impurs. C'est ce que j'allais dire, c'est un peuple oublié aussi par la littérature de façon générale. Oui, à part quelques poètes et quelques écrivains, quand même, il y a bien eu quelques écrivains qui se sont intéressés aux tziganes. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Sandrars, mais il y en a plein d'autres, en fait. Oui. Enfin, ils sont très, très peu nombreux. Alors, on va écouter un extrait de votre livre « Avant que le monde ne se ferme » sur ce peuple tzigane, justement, lu par Renaud Ezek, et qui va nous donner une idée, bien sûr, de ce style que le jury a particulièrement apprécié. On applaudit Renaud. Ils ont été engloutis. Cette simple phrase et un long regard les dents serrées. Voilà la seule réponse qu'Anton avait eu la force de fournir à Jacques ce soir-là, tandis que tous étaient réunis autour d'un grand plat de riz, à même le sol, dans la maison des parents de Bhaskar, le jeune musicien indien. Pour Aïmos, l'engloutissement, la dévoration. C'est bien ainsi que certains tziganes désigneraient par la suite le génocide dont ils avaient été victimes. Mais très peu en parleraient. À quoi bon? Pour triompher du malheur, il faut le profaner. Et quelle plus belle profanation que la vie elle-même, que la force vive de la vie. Reprendre les voies du vent, faire des enfants, et s'aimer en tribu sur les chemins d'Europe et du monde, triompher de la mort en s'en riant. Cela, Katia l'avait compris, dès ce premier soir, elle qui n'était pourtant pas tzigane. « Je te donnerai des enfants, promit-elle, des fils et des filles, autant que tu en voudras. Les Torvats seront à nouveau forts et nombreux. Nous aurons un cirque et tu seras notre guide. » Katia était un irrésistible tourbillon. Elle avait happé Anton comme le vent l'aurait fait d'une feuille morte. Elle le faisait danser en riant. Katia avait peut-être 17 ans, peut-être plus, peut-être moins. Qui pouvait savoir puisque elle-même ne le savait pas? Elle était pétrie de ces certitudes lumineuses qui sont comme des hauts phares dans la nuit des autres. Elle jetait des ponts imaginaires par-dessus les abîmes, traçait des routes dans les montagnes, effaçait tout d'un revers de la main, recommençait. Anton n'offrit pas la moindre résistance. Pour que naisse l'amour, peut-être fallait-il simplement lui dire oui, le laisser entrer et peupler la maison. Il se laissa faire. C'est pas mal, hein. Comment réagit un auteur qui entend comme ça son texte dit par quelqu'un d'autre? J'ai l'impression que le texte n'est pas de moi. Une humilité qui vous honore. Depuis quelque temps, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre, hein, sincèrement. Bon, mais je confirme que c'est bien Alain Mascaron que nous avons là avec nous ce soir. Ce personnage, justement, d'Anton, alors Torvat, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, qui est le personnage clé du roman, qui est un personnage, bon, évidemment, qu'une fois le livre refermé, on ne pourra pas oublier. Où êtes-vous allé le chercher? Comment l'avez-vous façonné? Alors déjà, il s'appelle Torvat parce que le premier tzigane mort à Mauthausen s'appelait Torvat. Voilà, donc c'était le premier à mourir à Mauthausen, donc c'était une façon de le ramener parmi les vivants. Après, sincèrement, je ne sais pas d'où il vient ce personnage. Quand on écrit, il y a des personnages qui viennent, qui s'imposent, ils se mettent à parler, à raconter des histoires, et il faut les laisser faire, en fait. Si on essaie de les contrôler, c'est là que les choses se passent mal, ils se sauvent, et il faut les reconvoquer. Ça relève parfois de l'incantation, et c'est pas simple. Donc je sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est un personnage qui me hante depuis toujours. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé Anton. Le prénom est venu tout seul. Voilà.
Eh bien, c'est très beau, comme ça, ça la création garde sa part de mystère. Alors, il y a un souffle romanesque, ça a déjà été souligné par les membres du jury dans votre livre, mais moi, j'ai été aussi frappé par l'aspect de la reconstitution historique aussi de ce peuple, du génocide, de toutes les épreuves traversées par ce peuple. Racontez-nous un peu, est-ce qu'il y a eu un travail de documentation important? Comment avez-vous procédé? Alors, perdez pas de vue le fait que je suis prof. Hein. Et donc, donc, en fait, il se trouve qu'en 2003, donc c'était pas hier non plus, était au programme « Si c'est un homme » de Primo Levi. Et du coup, là, je crois que j'ai même trop lu, en fait, sur la Shoah, parce que j'ai à peu près lu, je vais pas dire tout ce qui existe, parce que ce serait vraiment extrêmement prétentieux, mais je crois que j'ai lu au moins 50 bouquins sur le sujet. Mais c'était en 2003, et après, sur la Shoah elle-même, je n'ai rien revu, hein. C'est-à-dire c'est juste un travail de mémoire, en quelque sorte. C'est pas un roman historique, hein. C'est pas du tout un roman historique, il faut pas le prendre comme un roman historique. C'est un roman romanesque, même si ça paraît pléonasmique, et l'histoire est vue à hauteur d'un regard de Tzigane, donc de loin, par des gens qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ça leur semble totalement étranger, étrange. Donc voilà, l'histoire est perçue vraiment à hauteur d'Anton, qui au début est tout petit et voit les choses de ses yeux d'enfant, et puis petit à petit il va grandir, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'a que 20 ans. La vie commence en fait. Voilà. Vous aimez les chevaux ? J'ai un rapport très particulier avec les chevaux, c'est-à-dire je les aime libres, sans selle, dans les steppes. C'est là qu'ils sont les plus beaux. Voilà. Comme les tziganes, libres. C'est ça. on va revenir au prix. Adeline Dieudonné, qu'est-ce que ce prix a changé dans votre parcours? Enfin, voilà, quel a été l'impact de ce prix Première Plume au moment de la sortie de La Vraie Vie, votre premier roman? C'est pour, voilà, comme ça, Alain Mascaro va découvrir ce qu'il attend dorénavant. Ça a été énorme, évidemment. Je me rappelle très très bien où je me trouvais au moment où mon éditrice m'a appelée pour m'annoncer que j'étais lauréate du prix Première Plume. Qui est avec nous ce soir d'ailleurs, hein, Sophie de Sivry. C'était fou. Oui, c'était complètement dingue parce que à ce moment-là, je savais déjà que j'étais aussi lauréate du prix FNAC. Mais donc, c'était une espèce d'avalanche. Enfin, je comprenais pas du tout. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et le livre allait sortir. On était déjà sorti, mais non, je pense que c'était juste avant la sortie qu'on avait eu la nouvelle. Et donc oui, c'était complètement fou cet accueil. Et moi, ce prix-ci a ce site particulier, c'est que c'est un prix de libraire. Donc c'est extraordinaire en fait de se sentir accueilli par les libraires et soutenu, et de se dire que ben voilà, ils sont là, ils ont aimé le livre, ils vont avoir envie de le défendre et de le conseiller. C'est très émouvant de confier son livre. J'avais pas anticipé cette dimension là, mais quand on publie son premier roman, évidemment on le confie à une maison d'édition qui en fait, dans mon cas en tout cas, quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y a plein de gens qui se mettent tout à coup à travailler sur un texte sur lequel on était seul jusqu'à présent. Et puis en fait, au moment où il sort, il arrive dans les mains des libraires, et c'est vraiment eux, on leur confie le bébé, parce que c'est eux après, ça dépend complètement de eux, le fait qu'il soit lu ou pas, le fait qu'il soit dans les mains des lecteurs. Et donc ça, de découvrir qu'ils étaient au rendez-vous et qu'ils allaient vraiment pouvoir passer le relais, passer le bébé au lecteur, ça a été complètement fou. Et ça s'est confirmé effectivement par la suite, puisque grâce au prix, à celui-là et à d'autres, et aussi aux journalistes qui ont été aussi au rendez-vous, parce que vous êtes très très important, et je vous fais un clin d'œil parce que effectivement vous avez été ma toute première interview sur RTL le jour de la sortie du livre, et donc c'est émouvant que vous soyez là ce soir aussi. On boucle une boucle,
Mais voilà, tout le monde a été au rendez-vous, ce qui fait que le livre a pu vivre. Et donc voilà, on sait que avant que le monde ne se ferme, va vivre, et que aujourd'hui c'est le point de départ vers un grand voyage. Le livre, il va commencer son voyage maintenant, à travers les regards des lecteurs, et c'est une aventure incroyable, parce que vous allez en être témoin dans les mois qui vont venir, parce que vous allez avoir des rencontres en librairie, vous allez avoir les retours de lecture des gens qui ont lu votre livre, et c'est extrêmement émouvant. Oui. Mais alors vous êtes mal parti pour reprendre la route là, parce qu'il va falloir ou alors si, c'est une autre route, celle des librairies, des rencontres avec le public. Je ne sais pas. Je vais voir comment vont se passer les choses, mais je pense que j'ai besoin de l'errance pour écrire, en fait. Donc, il faudra repartir. Mais est-ce que l'écriture n'est pas une errance elle-même ? Bien entendu, c'est aussi on peut voyager de manière immobile en lisant ou en écrivant, c'est évident. Hein. Je l'ai fait des années, mais quand on a goûté au grand air, sans masque. C'est merveilleux. On n'a pas envie de revenir dans un monde fermé, en fait. Voilà, donc je ne peux pas respirer, en fait, au sens propre, hein, avec le masque. Je ne l'ai pas porté, puisque j'étais dans les pampas ou les steppes, donc il n'y a personne, à part des guanacos ou des nandous, donc il y a peu de chances qu'ils vous rappellent à l'ordre. Voilà. Bon, ben en tout cas, désormais, pour avant que le monde ne se ferme, tout un monde va s'ouvrir, celui des lecteurs et des librairies. C'est merveilleux, je l'attends vraiment avec impatience. Grâce en particulier à ce prix Première Plume, cette 5e édition, voilà tout le mal que l'on vous souhaite, Alain Mascaro. Merci et bravo encore. Merci beaucoup. Encore. Et merci à la marraine, Adeline Dieudonné. Donc Adeline, vous allez revenir chaque année maintenant, là, non, non. Bah, il marraine semblerait, perpétuelle. Oui. Bon. Non, mais il faut que j'aie sa place aux autres lauréats qui seront parrains et marraines à leur tour. Alors entre-temps, il y a eu Kérosène, votre deuxième livre. On va vous relire bientôt pour un troisième. Oui, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'on a quand même un goût commun pour les chevaux et les dauphins. Oui. Ah bah oui, dans Kérosène, alors pour ceux qui ont lu, évidemment, il y a... une scène absolument terrible avec un dauphin. On est loin des dauphins, de vos dauphins roses, là. Oui, oui, je vous verrai. Mais oui, bien sûr, je vais revenir. Je ne sais pas encore quand. Là, je suis, voilà, je travaille sur mon roman, mais sur le roman sur lequel je travaille depuis la sortie de La Vraie Vie, parce que comme vous, j'ai compris qu'il fallait s'y remettre assez rapidement. Mais c'est pas, voilà, c'est ils ne sortent pas forcément dans l'ordre chronologique dans lequel on les écrit. Donc voilà, je suis dessus. Je sais pas, je peux pas encore vous annoncer de date de sortie. Bon, mais on attend impatiemment. Merci à Adeline Dieudonné, merci à Alain Mascaro.